Graduated, I'ma get mine. Black y'all, legend that we fit down. Yeah. You wasn't paying attention, them henchmen hit the entrance, drenching, wasn't no means of intervention. A dollar bill will make 110 yen, son. How much you willing to sacrifice to win, huh? Dans différents quartiers et zones de Strasbourg, notamment, il y a tout boulevard de Lancy, place Blanche, boulevard de Lyon, fréquenté par des prostituées l'après-midi et le soir. Pas le même public, mais on a des prostituées l'après-midi et le soir. Et toute la partie citadelle et les rues qui sont à côté, sur les quais aussi. Toute la zone Maison, après la mosquée. Et plein de bouchers, si je ne me trompe pas. Et toute la zone industrielle, pour, voilà. La partie qui va à la rue du Rhin, vers Kiel, donc vers l'Allemagne. Et on a encore tout ce qui est Port du Rhin. Et donc c'est vraiment la zone industrielle où il n'y a presque rien, voilà, que de gros bâtiments et c'est pas une zone résidentielle. Je suis pas sûre que ça soit toujours aux mêmes endroits. Les choses évoluent, elles bougent, des stratégies se mettent en place de la part des réseaux de traite. Et donc, tant qu'on n'aura pas des moyens pour pouvoir démanteler ces réseaux, la question de la traite doit rester une priorité parce que ces femmes sont majoritairement des femmes étrangères qui se retrouvent sans papier. Et donc, si elles veulent dénoncer ou fuir, eh bien, il faut que la loi puisse les protéger. L'amour. La pipe, combien? 30. Et où? Non. Par quoi? 30 pipe, 40. Où ça? Par qui? Non, c'est ainsi. Combien? Pourquoi t'as pas arrêté? La gare, elle est très gentille. Pourquoi toi, c'est pas parlé? Moi, manger, toi? 2014, on a fait 34 sorties et on a rencontré 206 personnes, dont 180 femmes et 16 hommes, qui viennent de 18 pays différents. Alors, à niveau des nationalités, la plupart des personnes qu'on rencontre dans la rue, c'est des étrangers, et de la communauté européenne et hors communauté européenne. Donc on a la plupart des filles en ce moment, c'est des filles de l'Est, Roumanie, République tchèque. Avant c'était l'Albanie, maintenant il n'y en a presque plus. Et Bulgarie et la communauté rom. La communauté rom qui peut être bulgare plutôt que roumaine, etc. Ça dépend. On a toute une partie de filles qui viennent de l'Afrique, notamment de la Nigeria et Ghana, moins quelques-unes du Cameroun. Mais c'est la plupart, c'est des filles du Nigeria. Et après, il y a des Françaises très peu. Et ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas. Elles ne travaillent pas forcément dans la rue. Avec l'internet, c'est très difficile à contrôler. Donc, Viva Street plutôt que Le Bon Coin, il y a plein d'annonces si on va chercher sur érotisme, etc. Donc, on s'est aperçu dans les dernières 2-3 années que voilà, ça ne veut pas dire que entre les hommes et les femmes françaises ne se prostituent plus. Simplement, ça a changé. Ce qu'on peut continuer à faire, c'est de continuer à soutenir les associations qui travaillent en proximité, parce que ce qui m'a beaucoup frappée lors de la dernière maraude que j'ai pu faire avec le mouvement d'Uni, c'est l'accueil qui est fait à cette association. Les prostituées sont très en attente de cette maraude et elles prennent systématiquement les documents qui leur sont remis, le numéro de téléphone du mouvement d'Uni, les heures de permanence, à quel moment elles peuvent venir souffler, venir chercher des informations. Et ça, je pense qu'il faut que les gens l'entendent, que ces associations sont essentielles. Il y a aussi l'association Pénélope, hein, qui est dans une autre démarche, mais qui va aussi sur le terrain pour des questions plutôt de santé publique. Et donc, ces associations sont importantes parce qu'elles accompagnent et soutiennent ces femmes au quotidien. Est-ce qu'au final, par manque de moyens, la municipalité ne délègue pas le service public d'aide aux prostituées aux associations locales ? Alors ça, c'est pas valable que sur cette question, c'est vraiment une question de culture. Hein. En France, on a une culture de la vie associative. Beaucoup de choses sont portées par les associations aujourd'hui, donc c'est pas sur la question de la prostitution en particulier. Moi, je trouve ça très intéressant que nous soyons en des relations de partenariat avec les associations qui, elles, portent des choses. Et c'est vraiment la question de la place des associations dans notre pays, globalement. C'est pas que sur la question de la prostitution.
filles de plus en plus jeunes qui tournent dans différentes villes de France et dans différents pays, dont c'est des réseaux. Elles sont la plupart exploitées par des réseaux mafieuses, tout simplement, avec l'aide de personnes d'ici. Presque toutes les filles qui sont dans la rue et sont maquées, entre guillemets, je me permets le mot, et l'ont été dans le passé. Et après, et toujours entre guillemets, avec des années de prostitution, se sont émancipées. Et donc, sont devenues les chefs et contrôlent des filles. Mais elles sont contrôlées. Niggas get sniped, watch me annihilate. The guards got me eating off of fine dinner plates. With this rap shit, told me don't procrastinate. West Coast lyricist, killer B click, we swarm thick. Spit the written like scripts, notebook fully loaded. Throw darts and make a hit. The target, pardon me as I keep on starting. Les filles, elles sont dans leur logé dans des hôtels. Et ils payent au moins 35 euros par nuit. Donc déjà, elles doivent se procurer les 35 euros. Pour chaque jour pour la nuit pour payer l'hôtel. Au-delà de ça, il y a la nourriture, notamment ils font beaucoup, les cigarettes et les téléphones pour appeler les clients, etc. Tout ça, c'est à leur charge. Déjà, ça a un coût énorme. Et un rappeur à Strasbourg, ici en France, au moins à Strasbourg, ça dépend aussi des nationalités et de la couleur de la peau, parce qu'on reproduit le même système. Donc il y a du racisme dans la rue comme dans la société civile. C'est 50 euros pour un rapport normal et total, c'est 100 euros, entre 80 et 100 euros pour les filles blanches. Et ça descend si on a un différent, si on est rond, mais si on est black. Donc voilà, le marché de la prostitution s'insère 100% dans tout ce qui est le système capitaliste. Il a pris tous les armes, tout ce qu'il pouvait prendre. Et c'est alors, on avait fait un calcul, alors je ne me souviens plus où j'ai pris la statistique, mais moyennement, une femme dans la rue fait gagner à qui l'exploite 120 000 euros par année, hors taxe, parce que c'est de l'argent, hein, voilà. Et c'est un peu comme une industrie, parce qu'une femme dans la rue, après, comme je disais, elle doit payer l'hôtel, elle paye les taxis quand elles habitent souvent en Allemagne, à Kiel ou sont frontalières. Donc ça ingère tout un système. Et des personnes et des services qui vivent sur la, entre guillemets, la peau des prostituées. Le fait d'être frontalier, ici comme dans le sud de la France, par exemple du côté des Pyrénées, engendre effectivement un certain nombre de difficultés parce que la législation n'est pas la même. Donc il faut que nos polices nationales travaillent ensemble, effectivement. Et cela, on pourra le faire quand la France pourra s'appuyer sur une loi. Alors la loi allemande n'a pas changé, mais il y a aussi un mouvement qui commence à se mettre en place en Allemagne, un mouvement de féministes abolitionnistes qui souhaitent que l'État allemand revienne sur la question de la réglementation, même si l'Allemagne fonctionne par Länder, donc c'est encore un peu plus compliqué. Les exemples de ce qu'on appelle des pays qui ont réglementalisé la prostitution, dont on la considère un travail, et après 10 ans, si je ne me trompe pas, en Allemagne, les statistiques démontrent que ce n'est pas vrai qu'il y a moins d'exploitation dans les gros bâtiments, les maisons de l'Eros, etc., comme on les appelle, les maisons closes. Il y a les mêmes formes de violence. La pipe, la manche, chérie. La pipe. Juste la pipe, c'est tout. Ça a été démontré que même seulement la dissuasion qui a fait que le client peut être multé, etc., ça fait que le regard des hommes a changé. Ils savent que c'est pas bien. Et c'est déjà c'est pour ça que c'est l'importance de la prévention. C'est un peu comme voler, tout le monde sait parce que c'est acquis que c'est pas bien. Après, on peut le faire ou pas, mais on sait très bien que si on le fait, on a la possibilité d'être persécuté, etc. C'est la même chose pour la prostitution. Et par exemple, la choix qu'a fait la Suède a créé un effet domino en Norvège. Donc la Norvège a été obligée, après 2 ans, à adopter la même législation. Pourquoi? Parce que les clients suédois qui voulaient, profiter du système et des prostituées, ils sont allés en Norvège. Donc la Norvège a décidé, après 2 ans, qu'elle a suivi un peu le système de la Suède. Alors moi, je suis adjointe au maire en charge des droits des femmes et de l'égalité de genre et de la démocratie locale aussi. Et donc, mon rôle, c'est effectivement de pouvoir faire en sorte que les associations féministes, mais aussi les associations de quartier et d'éducation populaire dans cette ville qui travaillent sur les questions d'égalité, puissent faire valoir leur travail, puissent se faire entendre. Donc, mon travail, c'est de les soutenir, d'être à leur écoute et de trouver collectivement les moyens pour agir sur les causes qui sont les nôtres.
C'est un poste qui a été créé pour la première fois en 2008 en tant que conseillère municipale déléguée, effectivement en charge des droits des femmes. Et donc, étant devenue adjointe, le poste a glissé avec moi en tant qu'adjointe. Est-ce que vous pensez que c'est par une évolution des mœurs ou une volonté politique qu'on a créé un poste de soutien aux femmes ? Alors, sur cette question-là, moi, je suis très lucide. On est dans un système patriarcal et je suis adjointe aux droits des femmes dans un système patriarcal. Donc je lutte avec les armes du système patriarcal. Donc je ne suis pas complètement naïve sur nos marges de manœuvre, parce que ce système est profondément à transformer et que j'apporte ma graine dans une municipalité sur ces questions-là, mais que je sais profondément et pertinemment que cette question est très complexe. Et il y a des facteurs qui amènent les hommes et les femmes à se prostituer, et dont la violence, l'extrême pauvreté et l'ignorance aussi. Je sais que souvent ils me disent, mais Lavinia, comment quelqu'un ne peut pas savoir en 2015 que si on vient ici, on est toute jeune, etc., c'est pas, je ne sais pas, la serveuse qu'on va faire. Ben oui, ça existe. Si on vient d'un pays, d'un petit village, je ne sais pas, de la Moldavie plutôt que de la Roumanie, et qu'on a l'espoir de s'en sortir et qu'on n'a pas d'autres possibilités, on essaye. Parce qu'on pense que peut-être ce n'est pas moi. On ne sait jamais, et tant qu'on ne le vit pas, on ne sait jamais comment on peut dire, la difficulté et l'extrême qualité qu'il y a dans le monde de la prostitution, si on ne le vit pas sur nous, parce que c'est toujours l'autre, c'est jamais nous. Donc c'est pour ça que cette femme et ces hommes, toutes femmes, partent, et avec un espoir d'une vie meilleure. Et voilà, c'est un peu ça. Donc oui, je suis convaincue qu'un système qui va vers un pays qui décide de ne pas considérer la prostitution comme un métier et dont la prostituée et le prostitué comme victime fait un grand pas d'humanité vers les droits de l'homme, la reconnaissance des droits de l'homme et, encore une fois, contre les violences faites aux femmes. Mmh.